Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tour de cartes que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'adore. Donc c'est parti pour la démo. Donc vous montrez un jeu de cartes. Donc vous sortez toutes les cartes. Il n'y aura pas besoin des jokers pour ce tour, donc on va les mettre de côté. Ici, voilà. Et donc vous allez couper le jeu devant le spectateur, donc plusieurs fois. Autant de fois que nécessaire pour mélanger le jeu. Le spectateur peut couper lui-même aussi le jeu s'il le désire. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez lui donner le jeu dans les mains. Il va couper le jeu comme ceci, vous lui montrez bien le geste. Et il va choisir soit la carte du dessus, soit la carte d'en dessous, il va la regarder et la mémoriser. Vous avez le dos tourné. Donc il coupe le nombre de fois qu'il veut le jeu. Une fois qu'il est satisfait, il va regarder soit la carte du bas, soit la carte du haut. Donc on va choisir la carte du haut pour cet exemple. Donc il mémorise cette carte-là. Moi j'ai le dos tourné, je ne connais pas sa carte. Et vous lui dites de la remettre au milieu à peu près dans le jeu, au milieu pour bien la perdre. Ni au-dessus, ni en dessous, car ça serait trop facile pour moi de la retrouver. Donc de la placer dans le jeu vers le milieu, peu importe. Donc il a choisi le 4 de cœur, ici. Vous retournez, vous prenez le jeu en main. Et vous allez effectuer une coupe spéciale. Vous allez dire que vous ne savez pas quelle est la carte choisie, ni où elle est dans le jeu. Mais je vais essayer de couper la carte choisie à une position spéciale. D'accord? Donc je vais faire une coupe. Juste celle-ci. Et donc je ne connais toujours pas la carte, hein, bien sûr. Et vous demandez au spectateur quelle était sa carte? Donc il va vous dire le 4 de cœur et vous allez lui demander d'épeler sa carte, lettre par lettre, 4 de cœur, en retournant les cartes une à une. Donc Q, U, A, T, R, E, 4, 2, D, E, D, E, cœur, C, O, E, U, R. 4 de cœur. Donc voilà, ça vous permet de retrouver n'importe quelle carte à n'importe quelle position. Alors vous savez pas le nom de la carte ni la position et vous serez capable de retrouver la carte ou le spectateur juste en épelant le nom de sa carte. Alors je vous rappelle que je ne la savais pas du tout au début du tour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi j'adore. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc sachez une chose, c'est que pour faire cet effet, alors attendez, je regarde l'ordre. Le 4 de cœur, il est après le valet de pique. Donc ici, voilà. Donc les resets, c'est 10 secondes, vous avez vu. Je vous expliquerai après. Donc pour faire cet effet-là, il va falloir 4 jeux différents. Pourquoi? Parce que vous allez faire une répétition de 13 cartes. Donc vous allez prendre 13 cartes, 4 fois les mêmes. Donc je vous montre quelles sont les 13 cartes. Vous avez le 8 de carreau, le 4 de pique, le valet de cœur, le 3 de pique, le 7 de trèfle, le 3 de cœur, le valet de pique, le 4 de cœur, la dame de trèfle, le 10 de carreau, le 9 de trèfle, le 2 de carreau et le 8 de trèfle. Vous avez 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ces 13 cartes-là, il va falloir que vous preniez les mêmes que je vous montre, ici, et que vous allez devoir les faire 4 fois à chaque fois. 4 paquets. Vous voyez, 2, 3 et 4. Vous prenez les 4 mêmes cartes, les 13 mêmes cartes, 4 fois. Vous faites 4 paquets différents. Gardez bien à ce que l'ordre soit toujours le même. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de marquer. Moi, j'ai mis sur ma boîte ici le nom des cartes pour me rappeler de l'ordre. Donc vous prenez 4 jeux. Ça vous coûtera pas cher parce que si vous achetez une cartouche de jeu Bicycle, ça revient à 28 € les 12. Moi c'est je paye ce prix-là. Et donc ça fait pas cher le paquet et ça sera beaucoup moins cher de le faire vous-même que de l'acheter. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos cartes comme ça, vous aurez besoin de 2 jokers. Donc je vous explique comment ça marche. De toute façon, chaque carte que vous avez dans le paquet, là, sur les 13 cartes, elles sont composées de 12 ou 13 lettres. Donc les cartes qui sont composées de 12 lettres,
La carte sera à la fin de... sur la dernière lettre du mot, de la carte. Par exemple, As de trèfle, là, ça apparaîtra sur le E du trèfle à la fin. Si jamais c'est une carte avec 13 lettres, la révélation, la carte choisie, apparaîtra après avoir compté toutes les lettres du mot. Ok? Donc voilà. Ça, c'était une petite info. Donc, vous prenez deux jokers. Donc, très important, les jokers. Vous allez en mettre un sur le paquet ici et un à peu près à la dixième carte. À peu près à la dixième carte ici. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous sortez votre jeu au début du tour, vous sortez votre jeu, vous dites voilà, je vais faire un tour de carte, on n'a pas besoin des jokers. Donc vous enlevez les jokers et vous montrez en fin de compte, vous dites pas que le jeu est normal ou quoi que ce soit, vous dites rien. Et le fait de retirer les jokers, le deuxième joker, dans la tête du spectateur, on montre un jeu normal, basique, alors qu'elle se répète, hein, je vous dis, c'est la même carte à chaque fois. Mais le fait que vous retirez ce joker-là plus l'autre après, dans la tête du spectateur, le jeu, il est normal, il n'y a pas photo. Donc vous mettez ces deux jokers-là de côté, on n'en a plus besoin. À partir de ce moment-là, vous pouvez couper le jeu autant de fois que vous voulez, peu importe. Donc vous commencez à couper le jeu vous-même. Et vous allez dire au spectateur qui va faire pareil, donc vous donnez le jeu au spectateur. Donc vous lui dites qu'il coupe dans ses mains comme ça. Et quand il le désire, il va choisir la carte d'en dessous et ou la carte du dessus. Vous pouvez prendre soit la carte d'en dessous, soit la carte du dessus. Donc dans la démo, je t'avais fait la carte du dessus, là on va prendre la carte d'en dessous. Donc imaginons, il coupe, là il est content, il prend la carte d'en dessous. Donc le valet de pique. Moi j'ai le dos tourné. Vous dites de la mettre au milieu du jeu. Donc il la met vraiment où il veut, dans le milieu du jeu. Donc le valet de pique, ici. Moi, je ne connais pas sa carte ni la position à ce moment-là. D'accord? Et à partir de ce moment-là, ça sera automatique. La carte, elle va être à la 12e ou 13e place. Automatiquement. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, elle a la 13e position automatiquement. Même s'il l'a mis avant, comme c'est un duplicata, elle sera automatiquement en 13e position. Et là, ce que vous allez faire, vous allez dire, voilà, je vais faire une coupe spéciale. Et ça va me permettre de localiser votre carte. Et en fin de compte, vous allez couper le jeu, mais vous allez faire une fausse coupe. Je vous conseille de faire cette coupe parce que on pourrait faire directement l'effet comme ça, après que le spectateur ait mis dans le paquet. Mais pour l'effet du tour, je vous conseille de refaire une autre coupe. En plus, elle est clean, je veux dire, elle n'est pas bizarre ou spéciale. Donc vous allez faire une fausse coupe. Donc si vous ne savez pas faire une fausse coupe, vous avez plein de façons de faire une fausse coupe. Donc moi, je fais en général ça. Voilà. Donc c'est nickel, je veux dire, on a l'impression que vraiment que je coupe le jeu alors qu'on n'a pas coupé le jeu. Les cartes sont toujours à la même position. Vous voyez, je mets les quatre de cœur aussi pour vous voyez. Là, on a toujours la même carte qui ne bouge pas. Donc ça, c'est la fausse coupe. Vous avez, si vous ne savez pas faire ça, là, vous avez encore plus simple. Vous prenez le jeu en main gauche. Vous prenez la moitié du jeu, vous posez ici sur le tapis. Vous prenez l'autre partie en main droite, vous le posez à droite du paquet, et tout de suite après, vous allez prendre le paquet gauche et reposer ici. La carte n'a pas bougé. D'accord? Donc faites ça, et ça, et ça. Et ça passe nickel. D'accord? Ça, ça, et ça. Ça, franchement, c'est la plus simple à faire, et ça passe très bien. Donc vous avez fait votre fausse coupe, et à partir de ce moment-là, vous posez le jeu. Vous avez dit, voilà, j'ai fait une coupe spéciale qui va me permettre de retrouver votre carte que je ne sais toujours pas. Là, vous demandez au spectateur de nommer sa carte. Donc le valet de pique, et vous allez dire que vous avez placé le valet de pique exactement au même nombre de lettres que sa carte, alors que vous ne savez pas sa carte. Donc vous lui demandez de compter le valet de pique, les mots, en retournant chaque carte face visible. Donc valet de pique, V, A, L, E, T, 2, vous comptez le 2. D, E, P, I, Q, U, E. Et vous tournez valet de pique. Donc là, on est tombé sur l'exemple, on a dit toutes les lettres et ça tombe après. Donc ça tombera soit sur la dernière lettre, soit après, comme je vous ai dit, vous avez deux cas possibles. Donc franchement, moi j'adore. Franchement, c'est génial. Donc pour le reset, c'est très simple. Vous reprenez le valet de pique. Donc vous savez que le valet de pique, sur ma note ici, il va après le 4 de pique. Non, il va après le 3 de cœur, donc vous regardez où il y a un valet de pique qui n'est pas après le 3 de cœur, c'est celui-ci.
et vous allez le mettre tout de suite après le traducteur, qui est en dernière position tout de suite. Ici, vous avez fait votre reset, vous êtes prêt à recommencer le tour avec d'autres cartes. Puisque vous savez 13 cartes, le spectateur peut tomber sur une des 13 cartes. Ça, c'était pour la version, si vous voulez que le spectateur coupe lui-même le jeu. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez le faire d'une autre manière. Donc, vous, pareil, vous ressortez votre jeu, vous éliminez les deux jokers, et vous étalez le jeu devant la personne et vous lui dites de choisir une carte au hasard, n'importe laquelle. Donc, il va choisir une carte au hasard, disons celle-ci. Et là, vous allez couper le jeu. C'est-à-dire, vous n'allez pas le remettre par-dessus, vous allez l'inverser, donc le couper. Vous allez faire comme ça. D'accord? Il choisit sa carte. Vous avez le dos tourné, vous lui dites de remettre la carte dans le jeu, au milieu du jeu, si possible. Donc c'est le 4 de pique. Il remet ici. Et vous allez faire une fausse coupe. Une coupe spéciale pour retrouver sa carte. Et donc, vous lui dites quelle carte vous avez choisi, 4 de pique. Et donc, vous lui dites de compter. Vous lui donnez le paquet. Laissez-le faire le spectateur compter, c'est beaucoup mieux. C'est mieux, je veux dire. Donc, 4 de pique, vous lui dites de compter 4 de pique. Vous lui demandez sa carte, vous ne le savez pas. 4 de pique, et vous lui dites de compter 4. Donc, 4, Q, U, A, T, R, E, 2, D, E, pique, P, I, Q, U, E. Et on tombe sur la carte du spectateur. Alors, je vous rappelle, je ne la connaissais pas du tout, ni la position. Bon, franchement, moi, j'adore. C'est presque automatique. Hein. Vous n'avez pas de. Le niveau, il est très facile. Franchement, il n'y a pas de gestes effectués très difficiles. Il n'y a pas de mémoire à avoir. Il n'y a rien à faire. En fin de compte, ça marche vraiment très bien. Donc, après, pour le reset, vous savez que c'est après le 8 de carreau. Vous prenez le 4 de pique, vous le mettez tout de suite là et vous êtes prêt à recommencer le tour. Vous pouvez couper autant de fois que vous voulez. Le spectateur peut choisir en dessous aussi, ça c'est bien, je trouve qu'il puisse choisir en dessous et plutôt qu'au-dessus, s'il veut. Donc là, il choisit le 8 de carreau, il met au milieu, on fait une coupe, vous lui demandez sa carte, 8 de carreau, H, U, I, T, D, E, C, A, R, R, E, A, U, 8 de carreau. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un tour que j'adore. Ça vaut vraiment le coup de le faire, je pense, d'acheter 4 jeux. Mais moi, je vous conseille d'acheter des cartouches de. Bah, ici, quoi, sur Amazon, que j'achète tout le temps. Je paye 28-29 euros les 12 paquets. Et je les ai en 2 jours. Et c'est vraiment pas cher au niveau rapport qualité-prix. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tour. Je vous en proposerai d'autres bientôt. J'en ai plein d'autres encore à vous proposer. Je vous dis à bientôt et merci pour votre fidélité. Et merci aux 1000 abonnés. De ma chaîne, puisque je viens d'atteindre les 1000 abonnés hier ou avant-hier. Donc, merci à tous de vous être abonnés à ma chaîne. J'espère que ma chaîne vous plaît. J'ai eu 100 000 vues aussi en un an. J'ai créé ma chaîne il y a un an. Donc, j'ai eu à peu près, je suis à 95 000 vues. Donc, je suis vraiment content du nombre de vues. Moi, j'aurais préféré avoir un peu plus d'abonnés. Mais ma chaîne n'a que un an. Donc, je trouve ça pas mal, 1000 abonnés en un an. Donc, voilà. Donc, merci à tous pour votre fidélité. De me regarder, de liker et de vous abonner. Merci à vous. Au revoir.